le port de Port au Percy pour Baie des Rochers. Vingtaine de kilomètres à faire. C'est beau, Port au Percy. T'imagines-tu comment ça coûte de gaz de ce gars-là? Traversier Saint-Siméon-le-Verdiloup. C'est l'eau lièvre. Coule la houle. Hey, on a pogné un courant de dérive là, comme ça se peut pas, ok? Il y avait une espèce de maison brune là qu'on. Moi, j'étais au large, ça passait bien, là, je la dépassais. Là, à un moment donné, la tabarnache de Maison Brune, on n'arrivait plus à la dépasser pantoute. C'était comme, il doit y avoir un courant de 3, 4 nœuds, 5 nœuds, je sais pas. Là, ben, ça nous épuisait un peu, mais... là, on est sur le bord à Saint-Siméon, on va se rendre pas au quai. C'est là qu'on va camper, puis demain, on descendra avec la balle de descendre. Hey, un beluga! Hey, Beluga, viens t'en ici! Oh, viens de bien! Ouais. Donc ça valait la peine de travailler dur dans le courant à Port-au-Percy. Bon, mais c'est drôle parce que on est pas mal. Il n'y a pas de route ici, il n'y a rien. On est sur le bord. Puis check ça la pancarte qu'elle a. Hein? Alors, encore du monde qui ont des maudits beaux petits spots. Alors, on voit, lui, il a son petit chalet. Hein? Puis, il semble venir en quatre roues, eux autres, ici. À part aux quilles, alors, on voit qu'il avait fait comme de quoi, ici. Il y avait comme une dalle, je sais pas trop, là. Puis, c'était déjà été un port. Ils ont travaillé dur, ces gars-là. Check-moi le beau spot. Sérieux, là? Anse aux quilles. Ça, c'est du luxe, hein? Romano à Port-aux-Quilles. Pâte, salade du jardin. Romano. Pardon. Fraises des champs, omelette au fromage, toast grillé, café espresso, beurre, on avait oublié beurre. Check la mer, est complètement calme.
a passé tête quatre de chien avec le, du courant du bon bord. On a enclenché au moins 6, je sais pas, moi. On a fait du 7-8 km/h. C'est quand même marrant, ça. Oui, décolle, décolle. Oui, décolle, 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 décolle.